Jules Schneider, petit génie de motocross. À 6 ans, lancé à 50 km/h sur une moto de 40 kg, deux fois son poids, il a presque tout d'un grand. Presque. Sous le casque, une petite tête blonde encore à la maternelle. Allez, en route. Pourtant déjà passionné de vitesse et de moto. De quoi transformer les mercredis après-midi en course contre la montre. Chaque minute est comptée, c'est pour ça qu'on essaye de courir. On a la chance d'avoir quelqu'un qui nous prépare la moto, donc c'est pour ça qu'on se dépêche d'aller la récupérer avant qu'il ferme à midi. L'enfant possède son propre deux roues, entretenu dans un garage de Basse-Lonne, l'un de ses quatre sponsors. Salut, merci de m'avoir préparé ma moto. Mais il n'y a aucun problème. C'est celle-là, ma moto. Selle, guidon, suspension, presque tout a été adapté à sa taille. Au compteur, déjà 18 heures de conduite et beaucoup de sensations. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ? Sauter. Faire des départs. Elle n'est pas un peu grande pour toi, cette moto ? Non. J'ai pas assez de muscles pour la lever, pour la redémarrer avec le kick ici. C'est l'avenir du motocross, ouais. On en a de moins en moins et ouais, c'est bien. Il faut que les choses changent pour qu'ils mettent en valeur les jeunes. C'est pour ça qu'on les aide. Avec son super joujou, le petit pilote est devenu il y a quelques semaines le plus jeune licencié de motocross d'Alsace. Béquille, première étape d'un parcours commencé à 4 ans sur une moto de loisir avant d'opter pour le tout-terrain. Beaucoup plus qu'un simple jeu. Et quand je serai grand, je ferai freestyler. Parce que tu peux faire des figures. Une passion qui a surpris toute sa famille, y compris son père, ancien copilote de Sébastien Loeb, adepte de sport mécanique. Quand il m'a dit qu'il voulait rouler dans la boue, faire des sauts, ça a été un choc. Jules, du haut de ses 6 ans, n'est peut-être pas capable de le formuler encore, mais c'est peut-être curieusement aussi ça qui fait l'attrait. C'est ce côté qu'on a tous un peu dans la passion du sport mécanique, ce côté être toujours sur le fil sans jamais aller au-delà. En avril dernier, Jules a couru sa première course en Allemagne. Il n'a pas décroché de podium, mais il a fait la fierté de son club mosellan. Tu deviens comme Romain Fèvre, hein, qui est champion d'Europe. Quand on voit les petits-enfants qui portent un casque qui est presque plus grand que le bonhomme, c'est vraiment magnifique. En juillet prochain, le garçonnet prendra le départ de la prestigieuse MX Masterkeys de Verdun. 700 coureurs, 25 nations, mais pas question de faire monter la pression. Ces courses sont vraiment prises sur le mode découverte. Ça va être le seul objectif de toute la saison. Aujourd'hui, avec son gabarit, on est déjà particulièrement fiers de ce qu'il fait. Il est précoce et l'idée, c'est de ne pas l'abîmer avant l'heure. Jules Schneider a donc encore le temps de tracer sa route entre plaisir et ambition.